Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, c'est la deuxième fois que je vais faire ça, c'est un unboxing, donc ça veut dire que je vais déballer des colis contenant des articles de pêche. Je vais faire ça maintenant, je vais faire ça devant la caméra. Et l'année passée j'ai fait un unboxing qui était considéré comme extrêmement violent parce qu'il y avait pour plus de 2000 euros de matériel. Alors cette année, 2019, c'est encore pire parce que c'est encore bien plus que 2000 euros de matériel. Tout ce qu'il y a derrière moi, ce sont que des articles de grande valeur. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai pas tout acheté, hein. Il y a pas mal de choses que j'ai reçues. On va parcourir tout ça en détail. C'est parti. Et l'année passée, vous m'avez demandé de vous offrir du matériel de l'unboxing. Ce que j'ai pas fait. Mais cette année, allons-y. Je vous offre quasi tout ce que j'ai reçu. Et ça, pour le savoir, c'est pour dans la vidéo que je viens de mettre en ligne. Donc, je vous mets ici en haut de l'écran, je vous mets le lien direct, vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller voir ça. Ou sinon, vous retournez dans la description de la vidéo, donc ici en dessous, il y a un petit plus, vous cliquez dessus, ça va ouvrir toute une partie de description. Et là, ben, vous n'avez plus qu'à cliquer vers la vidéo que je viens de mettre en ligne, où je vous offre tout ce matériel. C'est pas parfait ça? Alors, on commence par la plus grande caisse. Elle est là, c'est un moteur électrique pour pouvoir équiper, non pas un flottube, mais un canoë gonflable. Donc vous allez le voir plus tard dans la saison. Je vais aller pêcher avec un canoë gonflable. Donc j'ai pris un moteur électrique pour mettre dessus. Ça va me permettre de naviguer plus rapidement et de parcourir des plus grandes distances. Est-ce que ça va me permettre de mieux pêcher? Je ne sais pas encore. C'est une grande découverte pour moi. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas mal. Donc voici l'intérieur du colis. C'est un moteur de couleur blanche. Donc 54 livres. Donc c'est un moteur électrique puissant, hein, qui va me permettre d'aller quand même assez vite. Et je pense que ici dedans, c'est la batterie vu le poids de la caisse. Ouais, ça c'est bien la batterie. Bien la batterie et le chargeur batterie qui va avec. Alors moi j'ai pris une 80 ampères. J'espère que ça sera suffisant pour naviguer une journée. Bon, j'ai dégagé un petit peu la table parce que là dedans, nous avons des cannes à pêche, des accessoires de pêche, des leurres de pêche, un petit peu de tout, mais principalement des cannes à pêche et des moulinets. Et c'est ça qui coûte très cher dans le domaine de la pêche, et surtout les cannes à pêche et les moulinets. Et là-dedans, on va retrouver beaucoup de cannes à pêche et beaucoup de moulinets. On est parti. Commençons par ceci qui doit probablement être les cannes à pêche vu la longueur du colis. Nous avons une canne à pêche Pen Squadron et le petit mot surf. Oui, c'est une canne de surf casting pour aller pêcher en mer. Je vais m'essayer à la pêche en mer. Donc j'en ai pris deux modèles. Les voici. Alors voici les cannes pour aller pêcher en mer. Les Squadron Surf. Alors moi je m'y connais pas en pêche en mer, donc j'ai demandé conseil pour ces cannes là, donc on m'a conseillé des cannes très très longues. On m'a conseillé la marque Pen aussi parce que la marque Pen est apparemment très réputée pour la pêche en mer. Et on m'a conseillé de prendre des cannes de 100 à 250 grammes de puissance pour pouvoir propulser très très loin nos ensembles, nos montages de pêche pour aller pêcher en surf casting. Ensuite le reste c'est du carnassier. Voici les cannes qu'on retrouve donc à l'intérieur de ce colis. Alors c'est des cannes que j'ai pris pour vous, hein. Vous m'avez demandé, je vous ai fait un sondage pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez que je teste comme canne. Et vous m'avez dit que vous vouliez connaître pour la pêche du brochet des ensembles pour aller pêcher, mais des ensembles petit budget. Alors j'ai pris ici 4 ensembles de pêche différents pour le carnassier. Alors nous avons les 3 gammes différentes de chez Abu Garcia. Ce sont des ensembles qui sont vendus tout complet, c'est-à-dire que le moulinet et la canne sont vendus ensemble. C'est le modèle Black Max, le modèle Silver Max et le modèle Pro Max. Donc là on est dans les alentours de 70 euros tout compris, 80, je crois 90 euros tout compris et 110 euros tout compris. Donc 3 gammes de cannes qui sont petit budget, parce que 110 euros pour un ensemble moulinet plus canne, c'est pas très cher pour pêcher en casting. Et donc ici on en a 3 du petit budget, vraiment petit budget, à du 80 euros, je crois même 70 euros, jusqu'à 110 euros. Voilà, je vais tester ça, je vais pouvoir vous donner un retour pour voir si ça vaut la peine ou pas. Et j'ai moi l'opportunité de pouvoir tester du matériel, donc je vais le faire pour vous, hein, comme ça vous n'avez pas besoin de le tester et vous pouvez acheter directement celui qui vous conviendrait.
ce sont trois cannes qui paraissent similaires. Elles sont 15-45 grammes leur puissance. Elles ont des longueurs identiques. La subtilité se fait sur la qualité des produits. Alors je pense que c'est surtout sur le moulinet que ça va se jouer, peut-être un petit peu sur les anneaux, etc. Je vais avoir tous les détails, je vais pouvoir vous donner exactement les bons retours sur ces produits. Cette caisse est immense. Et elle est remplie à ras-bord. Connaissez-vous ce H? Moi je ne connaissais pas. C'est la marque Hogmann. Regardez, c'est ça, Hogmann. C'est une marque qui est très connue, en tout cas pour le moment, qui est en train de grandement se développer pour tout ce qui est vestimentaire et pêche dans l'eau, donc les paires de waders, les cuissardes, les chaussures. Alors ici, c'est un survêtement pour waders. Quand vous avez une paire de waders respirantes classiques, en été c'est super génial, mais en hiver on a trop froid, et ben ça c'est un surpantalon et donc ça nous donnera plus chaud dans l'eau, ça nous rajoute une couche supplémentaire. Alors toujours dans la marque Hogmann, voici la paire de waders plutôt basique de chez eux, hein. Ils ont des paires de waders ultra chères. Bon, moi j'ai pas pris les ultra chères, j'ai pris la paire de waders standard de chez eux. Et alors une paire de chaussures. Alors ces chaussures là, elles sont spécifiques. Alors là moi j'ai craqué dessus parce qu'en fait les semelles sont déclipsables. Alors j'avais jamais vu ça ailleurs, donc on peut enlever les semelles et changer de type de semelle. Donc j'ai pris les semelles en feutre ici pour pouvoir changer. Donc en fait j'ai des semelles classiques et des semelles en feutre, et en fonction de l'endroit où je vais pêcher, bah, parfois on a des rivières qui sont à galets, parfois on a des rivières avec des fonds de sable. Et donc, on a besoin parfois de changer de chaussures. Alors là, ça permet d'avoir qu'une seule paire de chaussures avec toutes les adhésions possibles et différentes. Alors, regardez ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ça qui vaut très cher. Ce sont des moulinets. Ce sont des moulinets spinning et des moulinets casting. Et c'est plus ou moins toute la gamme de chez Abu Garcia. Chaque moulinet est bien protégé dans son emballage. Une poignée séparée. Eh bien, voilà, j'ai sorti tous les moulinets de leur emballage. Les voici. Il y en a juste deux que je possédais déjà qui sont là. Et encore un qui est monté sur une canne, donc je ne le montrerai pas. Mais voici la gamme presque complète de tous les moulinets Abu Garcia Revo destinés à la pêche en eau douce. Alors il serait totalement absurde d'acheter autant de moulinets. Alors si moi j'ai autant de moulinets, c'est tout simplement parce que Abu Garcia, c'est mon sponsor. Donc ils m'ont offert toute la gamme des moulinets qu'il y a disponible pour l'eau douce. Ça va me permettre de pouvoir faire des comparatifs et des tests. Donc généralement on s'achète un moulinet, voire deux, on peut les comparer l'un avec l'autre. Mais on va mettre 10 ans avant de pouvoir tester tous les modèles. Et puis, en 10 ans de temps, les technologies ont évolué. Alors, le gros avantage ici, c'est que moi, je vais pouvoir faire des tests complets et des comparatifs de chaque modèle. Et je vais pouvoir vous faire ça à travers toute la saison de pêche 2019 et faire des comparatifs. Tiens, si je prends tel moulinet et tel moulinet, quelle est la différence? Pourquoi il y a une différence de prix? Tiens, un roulement de plus, ça vaut la peine? Ça vaut pas la peine? Est-ce que tu le ressens à travers le moulinet quand tu moulines? Est-ce que c'est plus fluide ou moins fluide? C'est des questions que généralement on se pose en magasin, on essaye, mais c'est un petit peu compliqué. Ben moi, je vais le faire en action de pêche
et j'espère que ça va vous aider à pouvoir faire votre choix de moulinet. Il y a tellement une énorme panoplie de moulinets sur le marché qu'on ne sait pas vraiment quoi choisir. Donc moi je me suis retourné et c'est pour ça que je suis aujourd'hui sponsorisé par la marque Abu Garcia. C'est parce que pour moi la marque Abu Garcia c'est celle avec laquelle j'ai le plus pris de plaisir au bord de l'eau. Et donc j'ai préféré choisir cette enseigne-là. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a vraiment trois grandes, hein. C'est les Shimano, Abu Garcia et Daiwa. Alors Abu Garcia est considéré comme le leader mondial pour tout ce qui est pêche en casting. Alors moi je préfère la pêche en casting, donc c'est un peu logique que j'ai pris cette direction là. Mais maintenant il y a d'autres moulinets sur le marché, hein. Moi je suis pas là pour vous pousser à acheter un Abu Garcia en particulier, hein. Moi je suis là pour vous donner des conseils, et si ces conseils vous permettent de faire le bon choix, j'aurai réussi ma mission. Alors chaque moulinet a sa particularité, hein. Celui-ci par exemple, le Rocket, il a un ratio de 10.1.1, ça veut dire qu'à chaque tour de manivelle, on va ramener énormément de centimètres de fil qui est à l'intérieur. Et ça c'est sa grosse particularité, c'est vraiment pour les pêches de surface, les buzzing, etc. Donc c'est un moulinet qui est vraiment spécialisé, hein. Celui-ci c'est pas un moulinet pour faire toutes les pêches, quoiqu'il est capable de faire toutes les pêches aussi. Ensuite on a toutes les gammes, en partant du plus bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Après ici c'est le moulinet qu'il y a de plus cher dans leur gamme, c'est le MJX Extreme. Celui-ci est le moulinet le plus léger au monde. Il est designé et fait pour faire de la pêche en bait casting. Il est vraiment super léger. Ce moulinet là, je disais bait casting, mais c'est plutôt bait finesse, donc BFS aussi, on dit ça comme ça. C'est un moulinet qui est destiné pour faire des pêches ultra légères, donc à les lancer dès l'heure de 5 grammes, etc. Ce qui est très difficile, hein, pour la pêche en casting. On est obligé de monter en gamme de prix, d'acheter des moulinets qui sont comme le MJX Extreme. C'est un moulinet qui vaut je pense 450 euros, donc on est vraiment dans des moulinets qui sont chers. Donc pour la gamme des moulinets spinning, c'est le même principe, hein. On commence, ici j'ai pris encore un moulinet qui s'appelle le Stamina, qui est vraiment pas cher, pour voir ce que ça vaut. Après on part dans la gamme par le Revo X, donc c'est le moins cher des Revo, et puis on monte en S, SX, STX, premier. Après il m'en manque encore un, il est en rupture de stock, c'est le MGX. Alors ils ont chacun leur particularité, hein. S'il y en a un qui est moins cher que l'autre, il y a une raison. Il a par exemple un roulement de moins, ou bien il est tout simplement plus lourd, il n'a pas les mêmes alliages de métaux. Je vais pouvoir vous expliquer tout ça dans le courant de la saison. Je vous ferai des petits tutoriels de pêche, ça risque d'être sympa et de vous intéresser. Avec tout ce qu'on a sur la table maintenant, en y rajoutant les moulinets, on a dépassé le cap des 3000 euros de matériel, hein. Et c'est pas terminé, parce que regardez, dans cette caisse j'ai encore des autres caisses. Alors là ce sont des leurres, hein. On va aller regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Ce qui me reste à l'intérieur de cette caisse, de la tresse ici, c'est de la tresse Berkeley. Alors rien à voir avec Abu Garcia cette fois-ci, mais c'est une nouveauté 2019, c'est une tresse 9 brins, donc à tester. Apparemment c'est ultra lisse et ultra rond. Une petite paire de gants pour l'hiver, c'est pas pour maintenant ça. Et alors ici qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est vraiment cool. C'est un sac à dos. Alors je cherchais absolument un sac à dos où la fixation des puisettes se trouvait tout au-dessus du sac, ce qui me permet d'avoir mon épuisette la plus haute possible, parce que j'ai maintenant une épuisette pour la pêche du brochet qui est de grande taille, et donc pour éviter qu'elle traîne par terre, j'ai pris ce sac à dos là. Et alors à l'avant du sac à dos, il y a une partie chest pack comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon épuisette de pêche au brochet. C'est une épuisette flash mer qui permet de prendre son poisson assez facilement et de le replier comme ça. Alors j'ai fixé un aimant par-dessus, et donc c'est ça que je cherchais, un sac avec une fixation tout en haut. Ça me permettrait de venir accrocher cette épuisette facilement dans mon dos, comme ça. Et de pouvoir avoir l'épuisette qui est très haute. Alors le gros avantage de ce genre d'épuisette et de ce genre de sac et de fixation, c'est que pendant que vous pêchez et que vous attrapez un poisson, il vous suffit d'une seule main pour pouvoir sortir l'épuisette et attraper votre poisson. En plus ici, je vous assure que même les maîtres, ça rentre dedans. Alors on retrouve encore ici à l'intérieur, ce sont tous des jerkbaits de chez Abu Garcia aussi.
Donc voici les jerkbaits, ce sont des leurres qui normalement doivent s'allumer par coup de sillon. Alors ici la particularité de ceux-ci, ce sont qu'ils nagent tout seuls, donc il suffit de lancer et de ramener, ils vont nager comme ça d'eux-mêmes gauche-droite. C'est des leurres qui sont super prenants et dans lesquels il y a énormément de billes, donc vous pouvez écouter ça. Il y a deux tailles, hein, donc là il y a le 12 cm et là le 15 cm. Alors encore et toujours chez Abu Garcia. Cette fois-ci, j'ai commandé quelques pièces parce que ça nage du tonnerre. Alors celui-là, je n'avais pas encore essayé ce modèle-là. C'est le Mac Mio Beast. Il fait 190 grammes. Donc là, on est vraiment dans un leurre de taille énorme. Donc j'ai pris le Mac Mio Beast, le Big Mac Mio et le Mac Mio Classique. C'est le coloris que je préférais. Donc moi, je n'ai pris que ce coloris-là. J'ai déjà eu des super résultats en début de saison ici en testant les produits. C'est un leurre qu'on lance, qu'on ramène. Le Mac Mio, il nage très lentement et ça permet de déclencher vraiment les brochets. Ils adorent ça. En plus, les queues curl comme ceci, c'est des choses que les brochets adorent. Donc c'est vraiment un leurre qui va être destiné à la pêche du brochet, celui-ci. Et dans la dernière caisse, nous avons les Mac Pike, trois tailles différentes. Les voici donc 18 cm, 21 cm et 25 cm. Ce sont des leurres qui sont de nouveau destinés à la pêche du brochet. Vous pouvez voir. Alors, c'est les deux coloris que moi je préfère. J'ai déjà essayé pas mal de coloris. Avec tout ce qu'il y a sur la table, je suis obligé d'aller pêcher énormément en 2019. On est à plus de 4000 euros de matériel de pêche. C'est énorme. C'est énorme. Ne faites jamais ça. Ici, moi, c'est du matériel que j'ai reçu. Alors 4000 euros de matériel, c'est vraiment exagéré. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous devez exactement penser à la même chose. Ici, moi, c'est clairement du matériel. La plupart, bon, il y a des choses que j'ai achetées, mais la plupart, c'est des choses que j'ai reçues. J'ai reçu grâce à la chaîne Fishtick, hein, à la grandeur de cette chaîne et tout simplement à votre suivi. Donc c'est aussi grâce à vous. Alors je vous dis merci et pour vous remercier, ben, en contrepartie, je vais vous faire des tests de ce matériel-là et ça va permettre de vous aider à faire aussi le choix de votre matériel de pêche. Hein. C'est la meilleure façon aujourd'hui de connaître du matériel de pêche, c'est soit d'aller au magasin et de recevoir des conseils, d'avoir confiance en son vendeur, soit de regarder des vidéos par YouTube ou par Facebook ou Instagram avec les conseils qui sont procurés directement et les présentations des produits de pêche. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui dans la pêche et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors d'avoir soit un très bon vendeur en magasin, soit d'avoir un bon youtubeur qui vous présente des produits. Alors j'espère que je suis à vos yeux un bon youtubeur et qu'à travers mes vidéos, vous retrouvez pas mal de conseils qui vous permettent de vous améliorer dans la pêche et de faire vos choix lorsque vous achetez des articles de pêche dans ce monde immense d'articles et de propositions que toutes les marques vous mettent en rayon. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je pars à la pêche, pas exactement. Demain, je pars à la pêche. Je vous laisse. Ciao, c'est Hélène pour la chaîne Fishtick. Burn that shit like a major laser. Earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking getter. But you know I do it fucking better. And you know I make her.